c'est le deuxième. Je vais partir en bas. Ouais. Je vais marquer 1, 2, 3, 4 comme l'autre. Ouais. Et là, on va faire 2x. Ok. On ne peut pas se tromper. Donc, il faut rappeler qu'on commence par l'arrière. Non, par le devant. Par le devant, bon, oui. Devant droit. Ok. Regardez-les bien, faites des photos parce que la dernière fois que vous voyez ensemble. Georges, tais-toi. Est-ce que ça ne va pas être déséquilibré quand on a moitié? Non, Georges, c'est pas solide. La gueule. Non, okay. Georges. Parce que bizarrement, c'est solide, c'est vrai. Hein? Parce que quand okay. Je l'ai monté, j'ai monté l'autre côté et après ce côté. D'accord. Bah, je n'ai pas été au courant de déplacer les échelles et tout d'un côté à l'autre. C'est solide. D'accord. Bon, qui verront la différence. Il faut commencer à démonter le premier. Oui, Georges. Celui-là. Ça, c'est le premier, celui-là. Là, et celui-là, on va le... Et tu le marques, alors? Oui, on va marquer. Et tu marques comment, alors? Alors, je ne sais pas encore, on va marquer. Ah. Déjà le démontage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, ABC. Et pourquoi pas A, A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme tu veux, c'est la même chose. Moi, je dis ça, c'est juste... Eh, mettez-vous d'accord d'abord, de démonter. Vous commencez de ce côté, ou ça veut dire quoi? Demain, il faut commencer d'un côté. Voilà. D'accord. Lève un peu, Georges. Voilà, c'est pas trop te demander. Ah punaise, quand on est petit, que c'est grave ça. Eh ouais, c'est pour ça que je suis grand, moi. Intelligent. Je suis toujours un peu fasciné par les choses qui sortent un peu d'un cadre traditionnel. Et là, c'est l'idée de construire un grand engin dans ce style comme on est en train de faire, avec la liaison, la combinaison avec le côté artistique qu'on ramène dedans. Donc ce n'est pas une production ou une construction qui est basée sur des études d'ingénieurs. Évidemment, au début, j'avais peur parce que je me suis dit, il faut des ingénieurs, il faut calculer la statique, il faut etc., etc. Mais ça aurait pris un peu... le cœur, si tu veux, de toute cette opération. Donc, avec Georges Favre, donc on a trouvé une personne qui a su réunir d'un côté un minimum de côté ingénieur statique et de l'autre côté, côté artistique et improvisation. Donc, je dirais le mélange de ces deux choses nous a permis de... C'est sur ma tête? Non, moi, ça va. C'est-à-dire que tu dois... Stop, j'ai fait une connerie. Ah, si tu commences à faire les conneries, Georges, ça va pas bien se passer. 1, 2, 3. Nous irons au bois. Vous avez mis 4 ici, mais... Et ouais, et après il y a 5. 5, ah, ok. Et ouais, ça va bien se passer, tu vas voir. Ok. Ça va super bien. Georges, contrôle quand même, hein, parce que... Ouais, c'est bien. J'ai fait des tests avec vous. Il n'y a pas de casque. Tu dois te mettre là, comme ça, et puis me présenter. Je fais des tests, on s'entend voir si vous êtes un jour. C'est bien ici. Alors ça, je te jure, ils sont forts pour ça. Hein. Soleil. On voit rien. Tiens, allez, plaignez-vous du soleil. On embarque. On va aller peser. Tout se refait, parce qu'attention, il va y avoir un peu de casse quand on va, on sera loin. Mais là, c'est rien, cet après-midi, une heure pour démonter ça, une heure et demie pour démonter les demi-lunes. Et ce soir, c'est chargé, tout demain matin, en route. Non, mais je vois même le montage, hein, dans 2-3 jours, tu aurais monté ce truc. Oui. Non, mais je t'assure, après, ça va y aller tout seul. Hein. Bon, les plaques, évidemment. Mais c'est pareil. Mais le squelette, tu montes presque en une journée. De quoi? Le squeletton. Oui, une grosse journée. Une grosse journée. Hein. Tu tiens, Octave, si tu te sens te convider. Je serai tranquille. Prêt, lâché, hop. Coince-moi un doigt, je vais rien te dire. Tu te débrouilles. Où je le mets? Où tu, dans ta poche. Hop. Non, il faut que tu sois travers. Regardez, c'est bon là, les gars. Moi, je suis bon là. C'est dans le dialogue. Hein. Super! Ça pleut, mais quel lit! C'est bon, ouais! Allez hop! Bon, maintenant, Zadie, tu prends le pied. Ah, ouais. On dirait pas qu'il était monté ce matin. C'est clair. Non.